Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi soir, non, vendredi soir, et ça fait 3 jours que je suis à Bourg-en-Bresse pour les championnats de France de natation synchronisée. Et demain commence l'épreuve toute catégorie et j'ai décidé de vous filmer tout ça. Donc vous allez m'accompagner dans ces championnats de France et découvrir un peu plus la natation synchronisée. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Voir le solo de Clara, j'aimerais vos pronostics. Top 15, top 10, top 5 ou podium? Top 5. Top 7. Moi, top 5 ou podium. Attends. La piscine, c'est un carré d'eau? Oui. C'est drôle. Parce que étant donné que c'est un carré avec l'eau dedans. À gauche. Oui, je suis pas très très confortable en pilote. Et let's go la piscine. Suivez le guide. C'est par où? Hier, on est... C'est par là-bas. Tout à l'heure, pour de vrai, on va rentrer. Ouais. Coucou, Agnon, ça va? Ah, coucou, ça va? Petit tuto gélatine. On entame l'après-midi avec les duos qui sont actuellement à l'entraînement. Le reste de l'équipe est en train de se reposer, mais je ne sais pas où elles sont. J'avais perdu. Elles sont si mignonnes. Donc elles sont en train de pleurer parce qu'elles montent sur le podium. Ce soir on mange des chocolats, mais on ne le dit pas aux entraîneurs. Ensuite on entraîne. Vous m'en donnez un peu alors. Maintenant c'est à vous d'avoir une médaille. Objectif médaille du coup là. En plus, ça fait mal, ça J'ai miam miam miam. Tu peux faire une transition? Vas-y. Très joli. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, merci. De la première journée, il est 23h. On a fini la journée par un beau titre de vice-championne de France. Donc, c'est super cool. Et demain, on a la dernière épreuve, l'épreuve des highlights. Bonne nuit. Cinquième et dernier jour à Bourg-en-Bresse. Je vois enfin le bout du tunnel. C'est parti pour le highlight. Ensuite, on rentre à la maison. J'ai tellement hâte. Je pense qu'on ne peut pas imaginer à quel point c'est fatigant des championnats. On enchaîne tout le temps. Hâte que ce soit terminé. Salut la vidéo.
Il fait ma vie, mais il est sur les yeux. Je mets la liste. Je sais pas, ça c'était donc, bien. Donc laisse-moi la pousse, s'il te plaît. Pourquoi t'as tué, mais je pensais qu'elle allait avoir un bruit là. Bravo. Je propose qu'on change de sport et qu'on se lance dans le lancer. Oh oui. Ah non, ici c'est des pieds. Oui, coude à l'écoute. Magnifique, parce que là il y a quand même un transfert avec de l'équilibre, de la mobilité. Donc, là aussi, hein, grosse perte de difficulté sur ça. Déménage pour maman. Très belle cascade. Très jolie table. Formation bien serrée. Oh, une figure super originale. Et des changements de formation. Ça, c'est une difficulté technique. Très, 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 très fort pour Colomier. Je peux vous assurer qu'au podium, ça sent la bagarre. Waouh! Un porté transfert. Très, très bien réalisé. Waouh! Ça, c'est très très fort parce qu'il y a un fille collée. Ah, dommage! 76.3667. Et oui, elles sont certainement déçues. Elles ont fait de super perfs, les nageuses de Colombier. Le tombé du porté de la fin a certainement joué. Et quel rebondissement sur cette compétition, mais vraiment là, ça fend le cœur, je vois les nageuses de Colomier qui sont tellement déçues, mais c'était vraiment une grosse, grosse bagarre sur cette épreuve du highlight. Non comment. Oui, comment tu mets le rouge à lèvres. Vraiment, je pense que là, tout le monde devrait me suivre. Je suis en train de chercher un menu. Par pur hasard, je peux tout. Je tenais aussi à remercier tous les parents d'être venus au championnat de France. Ouais. De nous avoir servi de conducteurs, d'apéro. Et surtout d'apéro. Tu filmes là ? Ouais. Là, mais là. Ah oui, oui. Ok, merci à vous. Oui. Là, t'attendais la réponse. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Merci à vous pour cette année. À bientôt pour un nouveau vlog.